Hello tout le monde, c'est Silent et on se retrouve sur Banifzak Repentance, Novel Run, avec toujours l'Azapis, ouais, le fameux. Dernière fois, c'était l'enfer, vraiment, c'était avec les. avec le Cursed Sedai. Plus jamais, plus jamais cette merde, s'il vous plaît. On va retenter un méga Satan, mais. Non, mais laissez-moi jouer en fait, arrêtez de me mettre pause sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Ouais, j'ai un mec qui fixe quand même ce perso parce que. Bon, ça c'est un peu casse-couille déjà. Parce que là, le fait que la dernière fois j'étais en guppy, mais ça faisait plus les mouches et tout. Il y a des gros soucis, il y a des gros bugs sur le perso, c'est chiant. C'est déjà assez compliqué de le jouer parce que, bah, il pue la merde, on va pas se mentir. Bon, bah, partons dans l'autre sens. Mais ouais, c'est bien merdique comme perso et. Là, les petits bugs en plus qui viennent racheter. Petit taux de sel supplémentaire, non merci en fait, non merci, on a rien demandé. On souffre déjà assez dans ce jeu, s'il vous plaît quoi. Bon, deux clés pour aller dans la salle AD. Putain mais mec, que des salles vides, oh là 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 là, le cauchemar, ça recommence. Puis mettez le flip à trois salles quoi. Ah mais c'est quoi c'est... Casser le caca là pour un pain. Mais il fait code summon le petit. Bon, hop, il est mort. Vas-y, on va le mettre sur lui. Bah, de toute façon, on n'a pas de clé, on n'a pas de bombe, on n'a rien. Continuons. Ah putain, ça commence bien. Ouais, j'irai bien là-dedans. Bon, le tears-up c'est excellent, mais. Putain, bombe dans le kill, s'il te plaît, quoi. J'en ai même pas un des deux, quoi. Alors, je suis désolé, j'ai le nez qui coule, hein, donc j'ai reniflé un peu de temps en temps. Hein. Je sais pas, j'ai attrapé froid. J'ai éternué trois fois ce matin, donc bon. Je ne sais point ce qui se passe, mes excuses les gens. Hein. Ok, on peut aller sacrifier des points de vie là-bas si on veut. Ça me dit bien pour le moment, mais... Tranquille, y'a rien qui presse. On va voir ce qu'on a là-dedans. Putain, c'est pas possible. Bon bah on peut péter. Désormais on peut péter, c'est cool, voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Allons faire la grande salle vu qu'on a la paille avec lui. Oh là là, connerie. Bon, mis à part ça, le PEF fait pas mal de dégâts, je crois que c'est à peu près 5-6 larmes en termes de dégâts là, pour notre main. Mais bon, on s'en fout un peu quoi. Alors j'aimerais que tu pètes par ici si tu peux. Ok. On va faire une salle de plus histoire d'avoir l'autre. Pour la salle du boss, je pense, ce sera plus simple. Si je fais comme ça, normalement, ça devrait le faire. Alors, le plus important, c'est pas que je me fasse toucher. Parce que si je me fais toucher, après, c'est la merde.
L'un qui explose là-bas, l'autre machin, vers les vases, parce que ça peut donner des pièces et plein de trucs cool. Bon. C'est raté, mais c'est pas grave. On va pouvoir casser quand même deux vases avec les bombes là sur le côté. Super. Génial. On n'a pas de bombe, on peut pas chercher la salle secrète, on peut rien faire, on peut rien faire. C'est vraiment la merde. Je pourrais sacrifier mon point de vie après là-bas. On va voir ce qu'on drop. Oh non. Pas lui quoi. Ah, qu'est-ce qu'il casse-couille. Cassez-vous quoi. Oh putain de merde, c'est pas possible. Pff, oh là 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 là. Pourquoi je l'ai pris maintenant? Pas grave. C'est excellent en vrai. Prends sans hésiter. Mais le cœur, j'aurais pas dû le prendre, bon, c'est pas grave. Parce que j'aurais pu le mettre là-dedans, surtout. On allait sacrifier des points de vie, les gars, mais... Oh, c'est tendu, là. Ah là là, je vais faire péter ça au cas où il y a des crawling space qui se baladent derrière. Bon. Tempi. On aura essayé. On est à un demi-cœur sur les deux, donc prochain coup je suis down. Hein. C'est pas grave, de toute façon. Vu le départ qu'on se paye, ça en vaut même pas la peine d'aller plus loin. Autant prendre des risques, hein, mais bon. Là c'est pas ouf tout ça. Alors du coup, est-ce que je mets ça quand même sur lui ou sur l'autre plutôt? Sur l'autre, allez. Ah oh, putain, j'ai oublié le Mysterious Papers! Putain, non! Allez, on le fait. Bon, on a des pièces, hein, mais pas de bombes, rien de tout ça là. Ok, let's go. Non, ouais, je sais pas. Bon, au moins c'est remboursé. C'était risqué. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'a pas trop le choix dans l'état où on est là. Pas mourir. Ah, c'est tendu, hein. Vraiment c'est chaud, je vous jure. Hein. Ouais. Waouh. J'ai juste envie de chialer en fait. Non mais. Ok, on va les récupérer quand même pour le début. Histoire de récupérer quelques points de vie. Ce serait pas trop mal. Hein. On va aller dans la salle à sacrifice. Ah mais s'il y a des mobs ça va me switch et l'autre il va perdre son cœur squelettique. Ouais merde, normalement.
J'ai besoin de clés donc. Vas-y. Oh le perks. Tears up range down. Bon, range down c'est chiant, mais là. Pourquoi perks up après que. Mais. What? Bon. Tant pis, c'était un hacker scripty qu'on venait de choper. Hein. C'est pas grave si on le perd. Ok, on a cette clé pour aller au marchand, pour aller à la salle dorée, on peut tout faire, donc maintenant faut juste les trouver. Ah là là, j'ai pas de range du coup maintenant. De merde, je vais pas me faire toucher pour réduire les chances de pacte. On en a pas beaucoup de base, mais bah, je vais pas les perdre hein, les pourcentages que j'ai là. Ça me fait un petit peu chier quand même. Et pour le moment, on se trompe à chaque fois de chemin. On trouve pas la salle dorée, on trouve pas la. Celle du marchand, il y a tout qui doit être en haut là-bas du coup. Ça va péter. J'avais prévenu. Ah non. Ouais bon ben bah, que ce soit l'un ou l'autre, voilà. Alors, je voulais prendre ça, mais j'ai glissé tout sur face près. Dans tous les cas je voulais le prendre donc c'est bien. On a pas mal de bons, vas-y on fait se péter ça avec l'autre machin pour récupérer des pièces. Ah, vu que c'est une giga explosion ça donne plus. Bon bah. Hop, voilà. Là je me sens un peu plus safe déjà. Ok, on peut faire le boss. Je le vois le caillou marqué, vous inquiétez pas pour ça. Je l'ai vu. Bon, la ball of bandage, que ce soit l'un ou l'autre, je m'en fous un peu en soi. Ça, elle les convertit pas, ok, bon bah. C'est pas mal. Comme ça, les deux sont protect et on aura plus de chances d'avoir les pactes des tâches suivantes, c'est pas mal. Eh, mis à part ça, c'est vraiment une run merdique, quoi, pour le moment. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Désormais les cœurs on peut les laisser convertir par l'autre Dark Bomb, donc ça c'est cool. Ah bah nice hein, le saut. Ok. Allons faire la grande sac lui avec la paille, ça va se faire plus rapide. Je suis désolé, il y a des bruits dehors, je sais pas ce que c'est, j'ai vite fermé la fenêtre. Je sais pas si vous l'entendiez, mais on dirait qu'il y a une banane qui est une banane qui est en train de se faire attaquer là, ça faisait bouu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 u
ça. Ok. Je sais pas trop ce que ça fait. On verra bien. Et de nouveau, hein, donnez-moi les. Ouh, c'est intéressant. Est-ce que j'arrive à faire péter les deux d'un coup en faisant comme ça à peu près? Yep. Bah, on ouvre ça. Bon, moyen. Et pareil de l'autre côté, du coup, comme ça à peu près. C'est pas mal tout ça. Je sacrifierais bien un sorcier pour aller là-dedans. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon. Voilà. Vas-y. On peut aller récupérer l'autre cœur, mon petit pote là? Ah, le champion m'a touché, je suis presque mort. Là, je suis mort, j'aurais du flip, putain! Ah, de toute façon, ça se voyait que ça allait puer comme run, hein. Ça se voyait. Pièces, pas mal. Ramming speed, bon allez, c'est mon autre, on s'en fout, pas très important. Hop, on récupère ça. Faudra une bombe pour le petit coffre là-bas, notre bombe pour la salle secrète, c'est possible. Ok, cool, merci. Chouette, mais à l'étage, ça sert à rien. Mais merci quand même. On va déjà faire le boss vu qu'on sera switch sur l'autre. Allez hop. Attention. Ah mais ça va le faire, ça va le faire. Reste concentré. Putain, il est chiant quand même. Ah mais t'es pète couille. Bon, hop. Est-ce qu'on est content? Je sais pas. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Je sais pas. Je suis encore dans l'indécision complète là. C'est peut-être mieux. Vu qu'on n'a pas le super paix qui sert à rien. Ça par contre c'est vraiment cool le copter là. Ça me plaît beaucoup s'il te plaît. Du lourd. C'est pas mal. C'est pas mal. On a une pièce prête pour acheter un truc, bon la batterie c'est cool mais là ça va pas m'avancer grand chose. Trop bien, trop bien. Bon, un peu moins bien. Ah cool. Pire Bomberman de tous les temps là. Bon, dommage. Ok. Eh bien, allons-y. Il n'y a plus que la deuxième salle secrète, mais je m'en fous complet. On peut y aller. On a des clés, on a des bombes, on a des pièces, on a tout ce qu'il faut pour tenir. On peut aller dans l'étage alternatif. Ce qui sera bien pour le début.
Après on se barre, on fait pas les mines parce que les mines ça pue la mort. Ça pue la mort. Waouh, XL, vraiment. Vraiment quoi. Oh mais sérieux mec. Ouais, une petite larme juste avant de crever dans la gueule là. Connerie. Bon, du coup lui, un demi-cœur, c'est chaud quoi, la moindre erreur là c'est fini. Ouais je sais pas. Bon ben rester une piste Satan. Non mais regardez-moi c'est sale aussi, putain. Putain mais c'est insupportable ces maps de merde. Mais j'ai pas de range, c'est de la merde ce perso, putain, c'est vraiment le pire. Même Tainted Jacob et l'autre The Last Tainted sont plus intéressants en fait. Vraiment de la quiche. Bon, prenons le deuxième avec lui. Empty Hearts, je sais plus ce que c'est, mais... Chaque début de tâche, ça nous donne un cœur vide, je crois. Tout dans le genre. Ah, je vais pas me faire chier, je vais me mettre en The Last à chaque fois, là. Mais la range de ces deux persos quoi. Pourquoi elle est si petite? Encore t'auras les dégâts de Judas et sa range. Je dis pas, mais là même pas, t'as pas ses dégâts quoi. Ah putain. Bon, on va bien trouver le marchand, s'il vous plaît. Bon, salle du boss, c'est cool, hein, mais marchand d'abord. Ou la salle dorée numéro 2, au passage, aussi. Bon, 46% de chance de Satan, c'est quasiment une chance sur deux. On espère que ça ouvre les portes, sinon, ben, tant pis pour ma gueule. Hein. On a trop de pièces! Oh non, pas lui. Oh non. Ok, il est mort, c'est bon. Enfin, je dis que c'est bon, mais à tout moment, je meurs. Hein. Donc, pas de conneries. Putain! Non mais mec! Donnez-moi le marchand là, tout de suite! Ok, cool. Bon, ok, s'il te plaît, du lourd. S'il te plaît. Pas grand chose, mais juste du lourd quoi. Ah non. Ah, c'est relou. Je vais aller voir ce que c'est dans le coffre doré là-bas, voir si ça peut me mettre bien ou pas. Allez, on va le prendre sur lui. Il mettra les dégâts après sur l'autre, c'est pas grave. Chaque à son tour. Alors, deuxième salle dorée doit être par là normalement. Ok, cool. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on aura deux objets d'autre côté, dans le reverse. Enfin, dans le monde des miroirs. Appelez ça comme vous voulez. Hein. Hop. This. Bon. Ok, c'est ok. C'est ok. Ça pourrait être pire, ça pourrait être meilleur. On va pas s'en plaindre. C'est ok. On va déjà aller faire le premier boss avec lui.
Putain, il est tellement rapide qu'il a failli me choper, quoi. Ok, ça foutait les boules le dernier petit coup, mais ça va. Lui, on va le donner à l'autre perso, du coup. Est-ce que j'irai switch pour aller choper déjà tout l'autre côté? Ouais, on peut. On peut. Quand même deux items de boss à choper de l'autre côté aussi, c'est intéressant. Putain, la galère les gars, franchement ce perso c'est la galère. Ah putain, ils sont pas transformés les deux. Oh là là, faut pas que je fasse le con. Hein. Ok, bah super, juste super en fait, mais... Putain quoi. On a marre de ce perso. Puis la merde, mais un niveau mais incommensurable quoi, genre c'est trop quoi. La range est pourrie, les dégâts sont moyens, y'a rien qui va quoi, y'a rien qui va. Testons la salle secrète plus le kill. Super. Super. Ok, ça commence bien. Et espérons que ça continue comme ça. On va retourner au début parce que là-bas y'a la salle XL, donc c'est certainement là-bas la suite. Prends sur toi pour le moment. Cool. Vraiment cool. Là, pour le départ, déjà, c'est vachement bien. Lui, il va bien s'en sortir. Et l'autre, ben, on va lui donner tout ce qui est damage up, hein, je suppose. Hop, ok. Faire la grande salle avec lui. Oh mais pas sur ma gueule, putain. Ah c'est dingue quoi. Non mais s'il te plaît reste loin quoi, c'est bon, j'en suis déjà pris une dans la gueule, ça va quoi. Ça va quoi, j'en veux pas plus. Allons faire le boss avec lui, je pense que ça devrait le faire de toute façon. Pin, ok. Bah, très bien sur toi ça. On va faire juste bah, la salle vers le bas. Donc une larme sur deux sera boostée en flat damage de 1. Donc il tapera 6 en gros, il y a de 5, 25 là. Ok, bim. C'est pas mal. On va pas s'en plaindre. C'est très bien. Premier étage vraiment clean pour le moment. Y'a rien à dire. S'il te plaît. Choupe da whoop. J'aime bien, mais. Ah, ouais, bon, ça peut être utile. Juste tuer cette merde déjà. Au moins les cailloux gris, on pourra y aller tranquillement dessus. Lui va aller dans l'autre salle là. Non, il y a des ennemis, fait chier. Bon, c'est pas grave, on reflip derrière. On va récupérer ça sur l'autre pour monter les dégâts. Bam. Flip. Qu'il prenne les dégâts sur son Sawlert. Ah là par rapport à avant déjà la run 2 damage up sur 1 Ok
cadence de tir sur l'autre. Franchement, ah non, ça a tout changé quoi. Ça va tout changer. Ok, il y a un crawling. Nothing. Ok. Ça secrète potentiellement là. Il y a de fortes chances. Ah putain de merde. Ah putain de merde, ok, c'est bon. Quoique non, elle est pas forcément là-bas en fait. J'ai de la merde. Alors attends, on va les regrouper. Bam. C'est déjà tellement plus jouable quoi. Pourquoi il faut pas grand chose. On va les tuer avant d'appuyer sur le bouton. Ça nous emmerde pas. Tower. Bon, celle secrète elle peut être à plein d'endroits là, c'est chiant. Surtout pas que je me fasse toucher par contre. On va essayer de faire ça. Ok. La latch qui s'ajoute un sauleur, on va le mettre sur toi. Bim bim, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, je sais pas ce que c'est. On va switch et on va le prendre. Double trouble. Ouh, oh putain. C'est pété. Oh, c'est pété. What? Ouah, c'est fort. Ah non, là ça c'est vraiment fort. Est-ce qu'on tente quand même la salle secrète? Allez, on va tester ici par exemple, et puis voilà. Bah voilà, la chance. The Stars, ok, c'est pas mal. Bon, The Star River, ça ira très bien. On aura un choix de plus d'items avec ça. Bah vraiment cool, le Double Trouble, putain, oula, ça m'a l'air un peu strong ce machin. Trois larmes, quoi. C'est dingue. Comme quoi il faut pas grand chose hein, pour avoir un build qui fonctionne, un item ou deux et ça suffit hein. Mais bon, quand je fais que de la merde normalement, je commence à te poser des questions quoi. Conneries. En soi la Box of Spiders c'est pas mauvais hein. Est-ce que je voudrais pas plutôt un passif? Bon, prenons l'autre. Ouais bon. On va prendre celui-là, c'est meilleur quand même. Ça. Ouais, pourquoi pas. Marchand, on n'a pas encore assez de thunes, donc pour le moment non. Par contre, tu peux les faire sauter dans tous les sens, changer de direction. Mais ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout ça. Pour deux cœurs, putain. Je sais pas si scale avec nos dégâts et tout, mais on verra bien par la suite. J'irai bien là-dedans, mais là c'est un peu compliqué. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on peut aller en The Lost, donc c'est bon. Pas compliqué du tout alors. Oh putain de merde. Eh ben let's go. Ah merde. Bon bah l'autre il va perdre un Star Alert. Non, ça draine d'abord les... Je sais plus ce que ça fait, mais je crois que ça touche d'abord les Soul Heart ou avant les cœurs rouges pour un certain truc. On va éviter les conneries. On pourrait déjà y aller en soi, y a rien qui nous empêche. On a des bons builds pour tenir normalement, donc ça devrait le faire. Ah mais en fait je peux revenir vers la flamme pour le mettre comme ça lui. J'ai pas pensé à ce détail. Mais ouais. La flamme existe dans les deux côtés donc tu peux revenir. Il y a la reine sanglante qui est activable avec l'autre. Bon ça c'est un peu casse-couille. Ah
Allons voir déjà la reine sanglante. Ben oui, mais je suis con, c'est de l'autre côté qu'il faut aller voir. Faisons le boss, on va en mode, hein, toujours, toujours. Il n'y a que lui dans le jeu, vraiment, dans cet étage, c'est War Mode ou War Mode, tu choisis pas quoi, c'est... T'as pas le choix. Quoi, ça me dérange pas, hein, c'est pas forcément le boss le plus dur, mais... Jusque... Il a tellement un high rate d'apparition par rapport aux autres que j'ai l'impression que... Tu vas plus quoi. Dog's food, on va peut-être le donner à l'autre, hein, je pense. Donc allons faire une salle de plus avec lui. On va se diriger vers la hop, soldat quand même pour récupérer le couteau. Du coup faudrait que je backtrack pour récupérer ça. Bon, c'est un peu chiant et long mais c'est pas grave. C'est normal. Bim. Je pense qu'on va gentiment se barrer quoi. J'ai bien envie de faire de l'autre salle parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui est cassé avec lui au cas où. Il y a un cas où marqué mais j'en ai pas l'impression pour le moment. Ouais, il y a l'air d'avoir rien qui est marqué. Non. Eh bah tant pis. Bah voilà. Ah mais du coup lui vient de passer à deux points de vie. Bon ouais, c'est pas grave, on peut aller sacrifier un point de vie dans la... la petite sacrificial room là. Comme ça je peux aller à l'arène sanglante. Je vous ai dit à quel point je déteste ces mouches, je le répète à chaque fois, mais je peux pas les voir en fait, c'est trop chiant. Donc, je récupère pas le cœur rouge, et on va au boss. Ouais, je prends en survie. Un peu de dégâts mais ça va le faire. Je reste confiant, je reste confiant. J'ai pas encore trouvé la salle secrète. Hein. Non. On va déjà récupérer le cœur là. On va se remettre comme ça. Elle peut pas être là en bas au cas où, hein, pour ceux qui étaient là, mais elle est forcément là. Elle pourrait être de ce côté, c'est le miroir, il est sur la droite. Non, du coup c'est pas là. Pas 36 000 autres solutions, c'est soit dans le L sur la gauche là. Soit elle est là, soit elle est là, en gros. Si je dis pas de conneries. Bon bah, ici normalement. Ah, alors attends. Ah, mais il y avait de l'autre côté du miroir aussi, à droite. Bah ouais. Voilà. Note là-bas. Mais j'ai plus de bombes donc tant pis, tant pis. Ah bah non, elle peut pas. Elle peut être ici en fait aussi. Moi que j'y pense. C'est pas grave. Allez, let's go. Ah,
quand on peut pétrifier les boss là avec notre machin, c'est vraiment pas dégueu. Enfin, dire que le système il était tellement pourri avant et il est devenu tellement bien par rapport à avant. Oui. The fuck. Bah si je donne ça à l'autre, il pourra faire un pacte à nouveau. Bah écoute, prenons hein, c'est excellent. Pas cracher dessus. Wouah, il scale aussi. Wouah, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Wouah, putain de merde. La violence de ce perso là. Eh ben super, les deux ont un bon build, un build viable. Vraiment les deux là, c'est très bien. Je pense même que lui il a un meilleur build que l'autre pour le moment. Là, clairement quoi. En termes de dégâts, avec les deux bonhommes en plus, ça ne rigole pas quoi. Alors, on va rentrer là-dedans. Ok. Super. On va aller dans la salle là-bas, Sacrificial Room. Et on va se TP avec le Death Stars. Ah! Ah, ça fait spawn comme ça. Ah ouais, c'est vachement bien. Oh putain, j'ai bien envie de prendre ça, mais ça c'est très fort aussi quoi, d'avoir le Satan à chaque truc étage garanti. Attends, ça donne les deux? Oh bon bah... Ok, je pensais que c'était pas ça. Je pensais que ça me téléportait dans la salle à trésor et que j'avais le choix entre plusieurs items, mais là... What the fuck quoi. On va laisser le Soul Heart pour l'autre, histoire que ce soit un peu équilibré. Je crois qu'il en a deux et demi. Ah, ouais, deux et demi. Putain, c'est dingue, c'est dingue ce qui se passe là. Franchement, la run, waouh, je la sens bien. Donc, il faudrait que je tue le boss avec lui pour avoir 100% de chance d'avoir Satan. Du coup, faut qu'on fasse en sorte d'arriver au boss avec lui. Du coup. Faisons la grande salle. Ok. Tac. Salle de qu'est-ce qu'il me réserve. Bon, on va le donner à l'autre, je pense, histoire d'équilibrer un peu les choses. Marchand, toujours pas. En haut, ok. Secret potentiellement là. Non, mais tu veux pas le Piper, je. Casse les couilles. Je vois qu'il pleure ici en. Ben non. Du coup, ça l'a pas fait. Hop. J'aurai de quoi flip deux fois s'il faut. Ça me dit bien, mais j'ai plus de points de vie là. Donc, c'est un peu compliqué. C'est dingue ce truc là, Double Trouble là. C'est. Ouais, c'est cassé, hein. Vraiment. Waouh quoi. Je pense qu'il skill pas à 100%, mais il skill un petit peu quand même, donc... Ah, lui peut aller prendre ça gratos. Ok. Et on peut libérer l'espace pour lui, si on veut pour après, au cas où. Ok. On ira chercher le marchand après, on fait le boss de cette façon, comme ça. On a 100% de chance d'avoir ça tant qu'il ouvre ses portes. Ok, pas mal. Prends ça, toi. Take this aussi. C'est pas ouf. En soi, c'est pas ouf. Je les prendrai pas. Non. Non, non, non. Ok, cherchons le marchand du coup.
Ok, marchand, s'il te plaît, assure. Écoute, on a trop d'or de toute façon. 3 pièces, ça va. Hop. Il est allé faire la dernière petite salle, je pense. Putain de merde, comment je me suis pas fait toucher, je sais pas. La grosse chatte, quoi. Alors, on va aller récupérer juste la pile qui reload fond là. Hop. Et là, je vais pouvoir check un truc, c'est que là, j'ai 36% de chance avec lui de faire apparaître Satan en rentrant là-bas dedans, mais vu qu'il est à 100% de base avec l'autre, ouais, il disparaît, donc voilà. C'est en selon qui tue le boss ou qui rentre dans la salle qui est pris en compte. C'est chiant, ça. Eh ben, let's go pour la suite. Non. J'aurais bien voulu faire le boss rush hein, là, on a vraiment le build idéal pour. Les deux ont de quoi faire des dégâts, donc ça aurait été pas mal. Là, le boss rush, faut pas oublier, hein, à chaque manche ça va switch, hein, donc faut que les deux soient vraiment stuffés comme des culs. Hein. C'est un peu chiant ça, pouvoir le faire, vu qu'on a manqué de temps. Malheureusement, c'est le problème du perso, hein, c'est que, ben voilà, je l'ai dit souvent, tu perds beaucoup de temps parce que tu dois build les deux, tu dois réfléchir à ce que tu fais, comment, pour qui, pourquoi, etc. Donc. Bon, ça c'est fait. C'est pas trop grave non plus. Un peu chiant, mais bon, c'est pas la fin du monde. Devil. Ah bah écoute, on garde ça sur toi. Ok, l'autre il pourra venir s'occuper de ça. Ok, alors bim 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 bim. Cool. On va rentrer là-dedans avec lui. Bon bah. Pourquoi pas? Ah putain la connerie. Je peux pas le casser avec lui. Ah! Fuck! Mais je me demande si le boss rush c'est pas 25 minutes. Boss rush, mais je crois que c'est 20, hein, Isaac. Combien de temps? Ouais, c'est 20 minutes, c'est trop peu quoi, putain. T'imagines foncer comme un bourrin avec ce perso quoi, genre mais non, ça arrive pas quoi en fait. Bon bah, le fast clear, hein. Bonjour, au revoir. Ah, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, voilà, quand on prend des coups, blablabla, ça nous fait augmenter la cadence de tir, je crois, et un autre truc, peut-être courir plus vite. PhD, c'est bien, à moitié prix là, c'est encore mieux. Et bah, allons-y. Peut toujours être utile. Putain de merde. Ah, ils font chier à mettre des pins partout. Ouais, vous avez vu, cadence de tir augmentée. Et je crois que c'est pour tout l'étage. Hein. Aïe! Mais ça fait mal, putain! À l'aide! Ça commence à être chaud tout ça là.
Ah bah go, on a un point de vie, mais pas le choix. Hein. Alors, on reprend ta mouche dans la gueule. Je vais juste taper sur select. Ah, merci. Par contre, t'es obligé de te mettre là? Trou de balle. Ah là 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 là, au moins je tape dessus avec la bombe. Quel plaisir quoi. Bon, prenons ça sur lui, allons voir ce qu'il nous propose. Ouh, la faux. Bah direct hein. Merci hein. Empress. Oula, l'Empress Reverse, je sais pas si je connais. Empress. C'est pas mal. Ok. On a fait le marchand, on a tout fait. Et ben, continuons. Ça rajoute 2 points de vie et 1,5 de cadence de tir, donc c'est vraiment pas dégueu. En soi. Bon, j'aimerais bien qu'il chope des petits cœurs lui quand même, parce que là, ça commence à m'inquiéter tout ça. Sérieusement? Oh là 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 là, je suis pas n'importe, les gars. Ouais, j'aurais pu attendre de juste faire une salle de plus et venir prendre gratuitement les trucs avec lui. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne nous prenons pas la tête. C'est fait, je pars en arrière. Bim, le long couloir. On va se faire assez rapidement avec les faux normalement. Le chemin fait chier. Ah putain, je fais n'importe. Bon, c'est obvious que ça allait arriver un jour avec tous les marchands qu'on a ouverts. Ça sert plus à rien, mais voilà, wow, la thune quoi. Ok. Bon, salle dorée, salle du marchand. Enfin, salle du marchand, c'est fait. Ah putain de merde, bon. Ça va le faire tranquille. No stress. S'il te plaît. Ok, merci. Continuons, continuons. Il est gigantesque l'étage, putain. Non, merci pour ça déjà. PhD. Descendons, ok. Oh, il est giga grand cet étage, merde. Hein. Brrr. Tac. Ok, c'est une meilleure carte. Bon, on va les drop. Je vais pas me faire le boss tout de suite, je viens de trouver la salle dorée quand même, parce que faut qu'on se mette le mieux possible là. Déjà c'est dans la cac. Je crois que ça augmente les chances de drop des cœurs, je sais pas, je sais plus trop. Ok, cool. On peut les faire sauter.
ça c'est vraiment pas mal hein. Ouah, on peut prendre les deux. Bah, tout go hein. Pourquoi je peux prendre les deux? Je capte pas. C'est rare hein, que ça arrive ce genre de choses, mais peut-être c'est un de mes items et je sais même pas. Bon, c'est très bien, allons-y comme ça. Ah, mais si je tue Satan avec lui, j'ai 11%, enfin... Et après... Ouais, j'ai envie de tester un truc. Au pire, je sors la salle, je switch, je vois ce que ça donne. Je pense que ça me le fait apparaître quand même, du coup. C'est des tests qu'il faut faire, les gars. Mais je sais même pas si ça force le 100% de chance quand on le tue parce que ça switch en fait de perso en même temps donc. Je sais pas. Merde. M'a mis un de dégâts. Mais quoi? Mais quoi? Elle t'a pas un? Mais. Oh, je suis dégoûté les gars, ça me saoule. C'était une bonne run mais je fais n'importe quoi. Ah, ce perso c'est la frustration, vraiment c'est la merde. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis bah, à très bientôt. Allez, ciao ciao.